Et je te dis, j'ai pas arrêté d'y penser cet après-midi. T'as même pas regardé le maillot là. Ça va? Putain, c'est génial quoi. Incroyable. Vauclair, voici encore quelques semaines, un coureur anonyme dans une équipe en manque de sponsors. Après le bleu-blanc-rouge, le jaune, de quoi voir l'avenir en rose. Vauclair en jaune, on en oublie presque la victoire. Putain, il y a... Ça fait drôle. Ça fait drôle. Ouais. Plus que le championnat, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais, tu passes la ligne, tu fais, c'est pas pareil. J'ai pas levé les bras, j'ai fait ça, tu sais. J'allais pas lever les bras. Ouais, ouais. Ah ouais, vous avez du cul. Je dis, non, t'as qu'à lever ton cul pour être dedans. Bah, non, je sais. Ah ouais, il a dit, je sais. Mais c'est la nouvelle génération. Ouais, je dis, peut-être, je sais pas. On verra bien. Je suis désolé. Tu me feras le plaisir d'en goûter une ou moins. Une. Sérieux? Ouais. Ah, c'est de l'amour. Par contre, c'est sûr que dans ces moments-là, t'as plein d'amis. J'ai des messages des gens que j'entends jamais parler. Là, pas de problème. Bon, allez. On va arrêter les gars. Et que la course soit belle pour que la fête soit bonne. Ouais, faudra en avoir un verre pour chiner en main. Eh bon, mais tu nous as pas dit ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a laissé un message. Elle m'a dit c'est bien. Tu seras content pour ta victoire de maillot jaune. Non. Moi j'attends Eddy, c'est le plus important. Normalement, logiquement, si tu me dis qu'il est au kilomètre, il devrait pas tarder. Hein. Et moi, je le garde avec moi dans la voiture. Parce que bon, le pauvre, c'est bon quoi. Lâchés au cours de route, ils ont peut-être eu des défaillances ou des problèmes mécaniques, ça arrive aussi assez souvent. En tout cas, ils ont beaucoup de courage et méritent pleinement bon encouragement. T'arrêtes, je te mets dans le camping du fait et après je te mets dans la voiture. Ouais, t'étais pas bien déjà hier, je suis... T'as ordonné, là? Pardon, s'il vous plaît. On y va, Eddy? Allez, viens. C'est que je le vois à la maison, mais devant ma télé. Parce que là, je vais être un quart d'heure, un 20 minutes, alors je suis plus dans les délais maintenant. Ah, je sais pas qui c'est. Allô? Oui? Ouais, super. Un petit peu manque de résultats, mais après, autrement, l'ambiance, pas de pression, rien. Pour nous, c'est déjà, pour une nouvelle équipe, c'est déjà bien d'être autour et... Le moindre résultat, ce sera que du bonus. On est quand même une équipe plutôt de grimpeurs, donc on est 5 là, 5 grimpeurs, ouais. Et on attend, là c'est vraiment tout plat, donc on attend vraiment à partir de... Déjà la dernière étape en Bretagne, là, dimanche, à partir de là, ça devrait nous convenir un peu mieux. Ah ben c'est ma femme, elle m'a appelé 11 fois. Hein. Ah, les femmes, hein? Aïe, aïe, aïe. Quand elles sont avec nous, elles sont chiantes, et puis quand elles sont pas là, elles nous manquent. Hein, oh. Hier, il pleuvait. Est-ce que tu as remarqué que chaque fois que je viens... Il y a du soleil. Mais chaque fois. Que tu nous apportes toujours un petit chaque peu de soleil. Et je vous amène non seulement le soleil, mais des fois un petit coup de... J'aurais dit encore ce matin, je dis, vous savez qu'il y a une voiture, hein, si jamais vous gagnez une étape. Hein. Ah ouais, ouais. Tu sais ce que j'aurais dû faire? Amener tous les catalogues et distribuer les catalogues en disant, ben voilà, c'est une option, voilà. Putain, ouais, le premier qui gagne l'étape, il signe le bon de commande en bas. Bonjour, ça va? Ça va? Putain, tu marches comme un avion ce moment. J'espère que ça va continuer, ouais. On va voir. Tu sais ce que m'a dit Nounours? Il m'a dit, dis dans l'oreille à Gilles que s'il gagne une étape, ouais, je sais. Il fait une caisse. j'espère bien. Dis-moi bien. Hein? T'aimerais bien? Ouais. Ben moi aussi, tu vois. C'est le gars de MJ Rover? Oui, c'est... Tu connais pas? C'est bien sûr, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, ouais, c'est le Bonjour. Christophe Rignero. Salut Christophe. Bonjour. Ça va? Bonjour. Le premier d'entre vous qui fait une place, je dirais, qui gagne une étape, il a droit de choisir une bagnole pour une année complète d'utilisation. Il choisit ce qu'il veut, la couleur, le modèle. Mais ça va mieux aller là. J'y crois moi. Nous aussi on y croit, n'est-ce pas? J'espère bien. Oui, Tu sais ce que tu vas prendre déjà? J'ai mon idée.
idée. T'as déjà ton idée? Tu veux la... Bah tiens, Serge, il, a plus... il a choisi le modèle. Bah, lui, c'est quoi le tour de course, lui? Ouais, il a choisi le modèle. La... Le Break Rover V6. MG, l'opération. Ah, 190 chevaux, là. Ouais. Mais ça peut être un cabriolet aussi, hein. Ouais, ouais, non. Tu, vois, tu choisis, hein. Ok, mais je choisis. Le plus dur, c'est pas le de choisir, c'est... c'est de choisir au moment où tu vas partir. Voilà, voilà. C'est ça qui est difficile. Voilà. Après, le... Papa! Papa! Où tu vas? Ouais, ça fait du bien un petit peu. Ça coupe un peu du vélo. Puis les Alpes, je les aime mieux, moi, les Alpes, que les Pyrénées. C'est moins raide. Oui, c'est vrai. Plus. J'aime mieux, toujours mieux passer les Alpes, je connais un peu mieux, donc. Toujours plus agréable. Je me sens plus interconnu dans les Alpes. Bon. Je sais pas si tu y arrivais qu'il y ait des mecs qui pètent à Paris. Non, je pense pas. Je pense que tu te mets un bloc pour la finir. Ah bah, mais un bloc. Et même un bloc, c'était... ça roule au-dessus que t'es à bloc. Non, je pense que tu ne fais pas. Je sais pas. Je pense que tu fais tout, c'est tellement beau, les champs, ça te porte, hein. Puis le monde et tout. Mmh. Oh, non, maintenant, rappelle-toi comme ça. Dis-moi pourquoi t'es cuit. Imagine t'es cuit. Tu peux plus, je sais pas. Tout le monde peut. Tu te caches? Je pense à rien. Pourquoi ils sont mariés? Je sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais pas. Non, je pense pas. Hein. Eh bien, on est pile à une heure de la... du départ. On attaque le deuxième tiers. Et sur ce deuxième tiers... On a quatre étapes pour se mettre en évidence. Donc, on est attendu. Et moi, je pense, dès aujourd'hui, maintenant, faut lâcher les chevaux pour qu'on pas dire on va attendre demain. C'est trop tard. Maintenant, je crois que les 8, faut que vous leviez le cul, encore une fois, bah, pour essayer d'être dans les coups qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Ça va être dur au début, puis après, ça va être très dur. Finero, même s'il souffrait un petit peu physiquement d'une tendinite dernièrement, mais la route maintenant normalement Thierry lui est beaucoup plus favorable, c'est pas normalement, c'est sûr, et, sauf que la souffrance physique est plus forte que autre chose. Allez Tito, on s'accroche, hein. Allez Tito, allez. S'il vous plaît, RAGT, enlevez vos oursins de vos poches. Sortez un petit peu le portefeuille, parce que... Il y en a marre d'être en voiture 21. Donnez-nous des sous qu'on achète des bons coureurs. Il y en a marre. On va se pendre. Le menton haut, la fierté certainement de Richard Virenque au terme de cette épreuve, il aura fait le total de points, je disais. Le seul point positif, c'est qu'on peut que mieux faire. Tu marches à trois vitesses? Ouais, mais... Ça, si j'arrive à 10, tu comprends, t'as déjà 50, il n'y en a pas qui prend les roues. Équipe, mais vous tournez bien. Ouais. Continuez. C'est pas eux qui peuvent leur dire. Mais ils en sont persuadés. Vous n'avez pas une petite casquette, un truc comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Voilà, je sais, j'ai rien. Quelle misère on est. J'ai rien, un bidon. Un bidon plein. Ouais, un bidon. Merci. D'où ça, d'où ça, d'où ça.
Et ben voilà, tu vois, tu donnes un bidon, ils se battent. C'est tôt. Quelles sont tes impressions? On me demande. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si faut le dire que t'attends les Champs-Élysées ou si t'étais à fond ou si t'avais mal au genou. J'ai pas compris. On me demande ce qu'il en était, alors je lui dis. Je sais pas s'il faut lui dire que t'attends les Champs-Élysées. Ouais. S'il faut lui dire que t'es à fond. Ouais. Ou si t'avais mal au genou. Non, il faut dire qu'on verra demain. On t'attend demain alors. Non mais t'as mal sinon. T'as mal? Non. C'est ce que je voulais t'entendre. Mais le qui, José Barry? Allez, il est là. Ciao, ciao. Merci. Même la casquette maintenant. Moi, je pense que je crois que d'ici la fin du tour, ils vont nous faire quelque chose. Moi, j'y crois fort. Hein. Tout ça va se mettre en place et dès qu'on a 2-3 jours de beau, tout ça va revenir et ils vont redevenir très très compétitifs. Moi, j'y crois fort hein, parce qu'ils sont pas usés depuis le début du tour. Hein. C'est un fait d'artiste quelque chose. Eh, on en demande, hein. Mais hier j'étais quand même en difficulté dès le départ toute la journée. J'ai passé la plus sale journée depuis depuis le début du tour, la plus sale journée hier. Bon, je pense qu'il faut pas manquer le bon coup. C'est toi qui es un peu le leader, c'est toi leur dire attendez les mecs vont rouler un peu aujourd'hui parce que on a besoin de montrer le maillot. Quoi, Non, aujourd'hui il va falloir obligé. On a Finot devant. Ils sont quatre devant, on a Frédéric Finot. Combien il y a d'avance? 5-20 je crois. Ouais. J'ai cru que 5 minutes quelque chose mais... Ah c'est bon ça aujourd'hui. Ah c'est bien, ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Et bien pour Fredo. Si peu avec 4 minutes, c'est bien déjà. On arrêtera de dire que, que l'équipe, elle est, que les mecs ils se battent comme des chiffonniers, font mieux quand ils entendent tous les jours « Ouais putain, ils marchent pas, c'est vachement frustrant pour eux, ça leur fait mal au cœur quoi, les mecs ils se dépouillent la gueule tous les jours. Ça serait facile si on pourrait, ils pourraient être tous devant, ils seraient contents d'y être. Hein. C'est eux les premiers que c'est, ça fait chier. Hein. T'es marié? Ah ouais. Le problème qu'on attendait d'emblée. Bah non, tu vois, tu vois la fine de miel. Quand t'en as à prendre 3 comme moi, tu as. La fine de miel, on l'a pas sur le tour, c'est bien. Cipollini a une journée pénible. Tu passes une bonne lune de miel sur le tour. Ça fait plaisir. Bon, l'avant, c'est pas bien grand. Hein. Ave Maria. Fermiamoci all'ombra. Bon, on a pas fait de miracle. Ouais. Ah David. Quoi? On a pas fait de miracle. Ah non. Ouais. Voilà, t'as été repris au bout de combien de temps dans le col? Bon, au pied du col. Ça t'a fait quoi, 150 bornes déjà? 160 je crois. On en demande pas plus. Ouais. Pas plus. Ce que t'as fait là, c'est bien. Si vous pouvez plus, c'est bien, mais... Ce que vous avez fait là, c'est bien. Je sais bien, mon vieux Serge. Bon, par contre, Bouvard, qui se dit grimpeur... j'ai fait exprès dans Finot, de dire à bravo Finot, ce que tu as fait là aujourd'hui, c'est bien. Mais il faut l'encourager, hein. C'est clair. Hein. Ah, mais il est content. Il y avait des roues, alors. C'est la fin. Vous pensez à la fin? On pensait qu'il serait plus précieux quand on a vu que Reynero soit dans le maillot, dans le groupe maillot jaune, tu vois, avec Vauclair. Un grand comme lui, on a les capacités, et Bouvard aussi. Hein. Bouvard, il avait l'air d'avoir les jambes de plomb, et là, il était devant son assiette de pommes de terre, l'air dans le vague. Ouais, un peu pensif.
ça va me faire 12 ans, 12 ans de carrière chez les professionnels. Et bon, ben, il faut savoir s'arrêter parce que bon, j'aurai 36 ans l'année prochaine. Et puis c'est vrai que c'est bien de faire autre chose un petit peu. Attends, de passer à autre chose. Ouais. De faire ce que t'as envie de faire. Tu vois. Du genre, bah tu vois, tous les. Par exemple, les juillet, août, partir en vacances, tu vois, comme j'ai jamais pu le faire auparavant. Tu vois. À retrouver la vie normale, quoi. Voilà. Et puis pouvoir te faire plaisir au niveau diététique, je dirais, parce que nous, on est toujours obligé de faire attention à ce qu'on mange. Des bons petits plats. Voilà, tu vois. Un bon chablis. C'est chez toi le chablis. Ouais, mais c'est plus le Bourgogne, moi. Un barbecue l'été. Voilà, un barbecue l'été, comme nous, on connaît pas, quoi. C'est vrai qu'on peut pas se permettre. Si, on en fait un, mais bon, comme je t'ai dit, on est toujours obligé de faire attention à ce que tu manges. De pas ouais, tu le manges, mais pas, tu le manges avec retenue, quoi. Voilà. Bravo Thomas, tu peux le garder jusqu'au bout. Bravo Thomas, tu peux le garder jusqu'au bout. Armstrong, il est battable. Ben oui, il est battable. Il faut y aller. Il est peut-être battable, mais pas par moi. Mais t'es pas tout seul. Si, tu peux, Thomas. C'est bien. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Oh non, c'est vrai que ça va nous changer la vie, Thomas et moi. Ça, c'est certain. Bah, premièrement au niveau du salaire. L'argent fait pas le bonheur, mais bon, ça va bien quand même. C'est le dernier mot. T'as vu les mecs se sont fait baiser en fait? Ouais, non, mais en fait c'est qu'ils sont en examen, je crois. Ils sont mis en examen. Ouais. Et donc ils peuvent pas partir. Il y a qui? Un Rital et puis un Vista. Et un Stiva là. Un Vista. Oui, de toute façon c'est normal, attends, pourquoi Vasseur il est en examen, il n'est pas autour? Pourquoi les autres ils sont en examen, il faudrait pas qu'ils soient autour aussi. Comment ça se fait qu'ils s'en rendent compte quoi? Je sais pas, mais l'autre jour Jean-Marie Leblanc il est déjà, venu à l'hôtel. Ah non, c'est tout le même. Je crois que c'est tout le même, ouais. qu'il est venu à l'hôtel, ouais, il a dû commencer à leur en parler. Ouais, et puis, Oh le bordel dans la chambre, enfin tu me diras, vu comment elle est petite, c'est difficile de faire autrement. Ouais. Trois jours. Bon, c'est là. Voilà. J'ai mis un casque. Alors une journée qui se présente. Qui se présente chaude, je pense. Chaude, oui, oui. Avec Durant. Un peu de montagne. Ouais. De toute façon, ta spécialité, c'est la bosse. Donc, elles arrivent, les dernières bosses arrivent. Les là. Dernières bosses arrivent, ouais. Oui, ça va, toi? La forme, bah, après la journée de repos, ça va, ça fait du bien. Avec mes collègues. À vos collègues. On branche la télé. Et, ah oui, d'accord. Moi, c'est un peu difficile, mais bon. Oui, oui. Vous travaillez dans un hôpital? Oui, dans un hôpital, en réanimation, donc il n'y a pas de télévision. Ah oui, d'accord. Donc il y a une télé seulement dans la chambre de garde, alors on allume dans la chambre de garde, et puis si on a un peu de temps, on regarde, mais sinon c'est le soir en rentrant, je regarde les résumés. Okay. Puis il n'y a pas interdiction à l'épouse de venir passer la journée avec Non, mais bon, pour rester à sa place aussi. On reste à sa place aussi, oui. Et allez, aujourd'hui on va gagner l'étape, de toute façon. J'espère, enfin. Ouais. Qui se fasse voir? Voilà, il paraît qu'on se... Que Serge et moi on est chauves ce soir sur mes dépenses. Non. Vous avez peur, hein? Non, peur moi non. Non. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas peur. J'ai fait 8 ans de copilote rallye. Ah d'accord. D'accord. Donc quand je commence à connaître le pilote, j'ai plus peur. Mais il faut que je connaisse le pilote d'abord. Salut Robert. Top. Et l'écart au sommet de 5 minutes. L'autonome demandé pour ravitaillement. L'autonome. Peloton au sommet des deux accords, kilomètre 99,5. Derrière, il a tapé, non? Non, derrière. Ah, il a cartonné. Ah ouais. Et le ventilo, il est cuit ou... Alors, c'est fait l'arrière de l'objet.
Il a coincé le ventilo. Voilà, ça devait arriver un jour. Hein. Ça freinait, puis lui, il a pas pu. Il pensait qu'il n'y avait rien et ça lui a bloqué le ventilo et elle a chauffé la main. Il me semble que j'en vois un déjà, non? Je sais pas, j'espère. Non, même pas pour filmer vidéo. Hein. Les gars, s'il y a peut-être des coureurs, ils vont jeter les casques. Non, là, on n'a pas un là. On n'a personne. On n'en a pas un là. Vite les minutes, hein. Et ils sont où? Loin. Ils sont à 23 minutes. Pour l'instant, ils sont à 23 minutes. Ouais. Il a fait un pointage avec Juju. Mais bon, il y a 45 minutes, minutes de la tête. Ouais. Ouais. Mais où? Je sais pas. Ouais, t'inquiète pas. Même s'ils arrivent au pied avec 35-40 minutes de délai de retard, ils sont dans les délais. Oh là là, c'est la galère aujourd'hui. Ouais. Si on monte en panne, si on tombe même en panne de courant. De voiture. Ils sont loin devant là. Au moins 10 minutes, non? C'est un abruti lui. C'est 20 bornes devant moi à 100 mètres. Après il me dit qu'il y a un groupe derrière. Il n'y a pas moyen qu'il revienne. Allez. Donc abruti, puis allez feignant. Hein, l'autre abruti, il y allait feignant là-bas en face. Il n'a jamais dû faire un coup de sa vie du sport, il y allait feignant, cet abruti. Il vaut mieux qu'il y ait un autre sport que de crier abruti. Que de crier feignant. Ils sont tous passés. Ah, ils sont tous passés. Un groupe encore. Ouais, bah là, n'importe comment, ils sont dans les temps. Guillaume, parce que... il est là. Donc, Oh putain, bravo God. Ah, c'est magnifique ce qu'il fait là. Il nous embellit ce Tour de France. Comme on l'imaginait. Ça te fout la larme à l'œil. Va conserver encore pour quelques jours ce maillot jaune. Quelle victoire! Une victoire d'équipe étincelante comme la couleur de son maillot Chapeau, tout jaune. Hein? Il a fait l'eau. C'est bon. Hein? C'est cramé. Hein? Bah, comme c'est un vélo, quoi. Ouais. Prends vite dans le bus. Hein. C'est pas dur aujourd'hui. J'ai passé une journée, j'ai cru que j'allais rentrer à la maison. Pas bien, hein. Wow.
seule journée. Impressionnant. Ouais, pas bien. Ma foi. Ils roulent comme des motos, ils roulent comme des motos. Hein. Nous on roule pas comme des motos, on n'a pas le bon carburant. Et voilà. C'est tout. Faut quand même le reconnaître. Hein. Peut-être pas les bons coureurs non plus. On a peut-être pas les bons coureurs non plus, effectivement. À partir de là, tout est possible. Tout est possible. On ne sait jamais. Si l'équipe n'existe pas, c'est quand même autant de coureurs qui seraient retrouvés au chômage cette année. C'est quand même l'aspect positif de l'équipe, c'est que l'équipe est rajetée, elle fait travailler 30 personnes et 18 coureurs. Donc il faut savoir analyser un peu les forces en présence. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le tour, hein. J'ai tout le temps des merdes. Ah bah une boîte de foie gras gagné non? Ah non c'est le cassoulet plutôt le Gers. Ouais le cassoulet. Oula ça va lui péter ton toute la nuit. En cassoulet t'imagines. Oh Toto il serait heureux là. Faux en cassoulet t'imagines. Ça va péter toute la nuit. Il y a un mois j'aurais été heureux. Ouais. Bah, t'imagines le monstrueux quoi. Des fois la pédale droite la rattrape et pas la gauche. Ça s'appelle commencer à être bloqué. Non. Être cramé. Arrêtez. Tu vois, c'est encore moralement pour toi, c'est. T'es à ta place quoi. Non, mais t'es plutôt un rouleur, t'es pas un grimpeur. Ouais. Tandis que moi, je suis un grimpeur. Puis j'ai mon rêve en plus quoi. Encore une interview, ça vibrasse. Zéro. Oh. Le Glaude. C'est le Glaude. C'est Glaude. J'allais pas répondre. En même année, si ma journée s'est bien passée. C'est-à-dire question con, réponse con. Je vais dire oui. Ouais. T'as appelé ta femme hein? Samy ce soir. Ah ouais, Samy, t'as appelé ta femme hein? Ouais. On va faire m'a envoyé un message, putain j'étais fier de toi, je suis sûr que c'est grâce à tes filles que t'as fini. C'est vrai comme ça. Moi elle me dit je t'ai pas vu finir. Non. Est-ce que t'es encore en course? Ouais. Je fais ouais. Tu vas te branler ce soir ou quoi? Non, parce qu'elle vient dimanche. Je l'ai fait il y a deux jours. Oh ah bon, c'est politique donc c'est un peu... 50 000 euros, c'est général. Non mais bon, on savait n'importe comment que cette année on allait galérer. Vous n'avez pas rêvé. Non mais faut pas prendre ça comme une galère, faut prendre ça comme des fondations nouvelles. Non mais je veux dire, cette année en ayant les coureurs qu'on avait, c'est malheureux de parler comme ça, faut être franc. Hein. Ah non mais bon, on savait, on n'avait pas le choix de toute façon. Ce qu'il faut, c'est se retourner vers la jeunesse. Hein. Ouais, t'as vu ce qu'ont la boulangère, ils ont commencé avec des jeunes et puis maintenant où ils en sont. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, si on a un peu d'argent, c'est absolument trouver un leader. On a vu que sans leader, t'as vu, il n'y a personne qui tire derrière pour... Ouais, mais le problème, c'est que si on trouve un leader, ça va être... Ah ben, ça sera plus le même prix. Ça sera plus... Ouais. Donc le problème du leader, c'est de savoir si on a le budget pour le payer ou pas. Et puis bon, qui sait, on aura peut-être un Vauclair dans l'équipe un jour. Ouais, mais d'accord. Mais si on se renforce pas, il n'y a pas lieu de poser candidature au Tour de France. Il faut être réaliste aussi. Ah ouais, c'est soit on se renforce, qu'ils ont les moyens de prendre... qu'on a les moyens de prendre un leader et là ça coûte rien de prendre une candidature. Ça c'est clair, il faudra attendre de discuter avec RGT parce que. Ouais mais RGT dans tous les cas, RGT ne remettra pas un centime. Hein. C'est... Ouais, ça c'est clair aussi. Il y a le pas vu le cul, mais j'ai marqué Vauclair. Non. Chaque fesse avait une lettre. Il y avait tout avec des crits sauf le haut. Ah peut-être bien alors. Ouais parce qu'il y avait le VE. Le trou. Oh, il y avait une vieille Vauclair, ouais. Josette, vieille. Oh, j'étais mort de rire. Vauclair et Nette aussi. Ouais, Vauclair et Nette. Par contre, ce qui est bien, par rapport aux autres années, on sent pas la crainte et la peur des Alpes. Les autres années, beaucoup avaient peur. C'est hyper inquiet. Alors que maintenant, vous êtes tous sûrs de vos moyens. Les boyaux aussi, elles sont... ça va, non? Ouais, il y a une heure. Pourquoi vous n'avez pas les mêmes environnements derrière? Une heure. Ouais.
à l'idée de suivre le meilleur grimpeur 98, ça, j'ai eu les frissons. Quand mon chef m'a dit, tu suis Christophe Rinero, j'ai dit, putain, j'ai embrassé sur la bouche, merci. Tu vas vite revenir à la réalité, à mon avis. Au premier lacet, oh là, voilà, c'est qui revient. C'est qui part derrière toi? Hein? Ouais. Tu vas pas te faire attraper par ce cortisoneux? Avec les potes qu'il a, hein. 140e, je suis plus vieux. Rinero a connu une journée difficile terminant dans un groupe à 8 minutes. Heureusement que ça a été une journée difficile, ça a été la meilleure journée, ma meilleure journée que j'ai passée depuis le début, depuis le début du tour. Donc. Allez Fred, je sais pas. Passer au deuxième. Putain, Claude N3. Oh, ce numéro. Salut. Ça va? Ça va. Ouais. 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 Bon, il y en a qui ont le moral, il y en a d'autres qui l'ont moins quand même. Il ouais. Hein bah, y en a qu'un qui l'a pas. Ah non, il y a moi, c'est le deuxième. Le moral. Gilou. Je sais pas. Et pourquoi tu l'as pas? Parce que. Parce que quoi? Parce que c'est comme ça. Bah, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de se mettre une balle. Non. Ça fait tranquille. Non. C'est la meilleure solution. Normal. Non, ça, c'est pas la bonne solution. Si. Ça, c'est l'histoire, c'est une solution idiote. Hein. Bon, alors, ça comprend un petit peu. C'est ce qui est passé aujourd'hui? Non. Non. Ouais. Je vais choper une insolation, ouais. Une déshydratation, je sais pas trop. Ouais. Avec la radio à l'Europe 1. Hein. Les mecs qui se connaissent pas les questions à la con. On est en train de perdre le maillot. Hein? On est en train de perdre le maillot. Non, alors le salaire va changer. Alors, comment vous pouvez prouver que vous êtes propre et tout ça? Bah, je peux bien vous le dire, mais de toute façon, le mec qui triche, il va aller vous dire la même chose. Donc... Ah bah alors, comment on fait? Comment on fait? Allez, l'année de l'année. Pour l'officier que c'est... Ah, difficile. Non, non. Comment ça va? Hein? Tu me ce que c'est? Ouais. Tu l'as fait son test de QI à Einstein? Non. Tu l'as pas fait? Non. D'accord. Tu l'as fait? Ouais. Alors? Combien? 102. Pourquoi? Moi, je sais pas. Faites-le. Vous allez voir. Est-ce que de ma gueule? Ta gueule! 102, c'est déjà pas mal, moi j'ai dit 102 de QI. C'est 102 de QI, c'est 102 de QI. Hein? C'est pas sympa la moyenne? Moi j'ai 136. C'est sympa la moyenne? Ouais, t'as la moyenne. La moyenne c'est de la mengue. Parce que t'es une... moyenne, la moyenne c'est 70 la moyenne. Non, c'est un non, 70 c'est un mongolien. 70 c'est un mongolien. Ouais. Non, non, non. 70 c'est un mongolien, c'est un mongol léger. Enfin, débile léger, 70. T'es là, tu verras bien. J'avais peur, 102, moi je dis que c'est très bien 102, t'es ouais, intelligent. Pour un cycliste, c'est pas c'est... Ouais. Il marque intelligent, 102. Ouais. Il marque intelligent. Ça, parce qu'il paye sur internet, là. 3 euros. Ouais, bah voilà, bah, il cherche pas, il met ça à tout le monde. Ouais, mais parce que sinon, le mec, il dit qu'il a payé 3 euros pour s'entendre dire qu'il mais est non, con. Tu poses des questions et puis tu dois répondre. Et c'est ouais. Souvent des trucs de logique. Hein. C'est des trucs de logique et c'est pas évident. Hein. Et t'as 50 questions à répondre en 20 quelques minutes. 4 secondes. En 20 minutes, hein, je fais ça. 50 questions, mais des fois, pas évident. Hein. T'hésites, ouais. T'hésites, hein. Là, ils arrivent gentiment au bout de leur voilà. Peine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, plus qu'une semaine, ouais. Et puis après, bon, ça va passer plus vite. Hein. Le but, en tout cas, c'était bien d'arriver au bout. Quoi. Toutes ces difficultés d'arriver aux Champs-Élysées, c'est vraiment un exploit quand même. Hein. C'est tellement la fête en plus quand aux Champs-Élysées, c'est ça le public. Et tellement, c'est la folie, il y a du monde. Il y a l'ambiance aussi. Ah ouais, puis voir l'Arc de Triomphe comme ça, ouais, c'est génial. Aujourd'hui, il aura 2 ans, hein, le jour de... Ah oui. Le jour de l'arrivée aux Champs-Élysées, le 25 juillet, il aura 12 ans, Yannick. Ouais. Ah, ce serait super qu'il, ouais, qu'il puisse finir. Ah ouais, tout à fait. Alors. Ah ouais. Ouais.
vélo le plus lourd du monde, je crois. Mon vélo, il est plus lourd que celui de Pierrot qui est plus grand. Merci. Je te dis que mon vélo, il est plus lourd que celui de Pierrot qui est plus grand. On m'avait dit que mon vélo c'était le plus lourd. C'est pas vrai? Quoi? Ça te fait ça parce que le corps est beaucoup plus ramassé comme ça. Et c'est pour ça que tu penses que... Tu crois? Non, bah non, je viens de l'observer. Ça c'est clair quoi. On peut y aller, hein. C'est le même poids. Hein. Tu penses toi? Bah oui, attends. Ouais, mais faut... Ma selle n'est pas droite, je voulais une clé. Et tu crois qu'en montant la selle? Non. C'est ce qui manque pour être devant? Non. Pas... Alors pourquoi tu la montes? Il y a toujours 8. J'en ai 8, mais... Très bien se retrouver à... Mais j'ai vu le jeu, c'était deux. Quand même 6 dans mon groupe. Les autres, dans le groupe de devant. On a un autre de bidon. Tu veux de l'eau ou du sirop? De l'eau, de l'eau. Il y a un commissaire à droite qui est arrêté. Fais gaffe, il y en a un qui est arrêté à droite, le commissaire, il était. Il avait enlevé le casque. C'est bon, le monde a trouvé l'image. Il y a deux secondes. 1-0-5 sur Bronze Irak. Ah, ça fait mal, hein? Ah ouais. Moi, j'ai plein de bleu, moi. Allez, allez, dessus, allez, allez.
plus là. Allez, on rapproche. J'ai souffert de ma vie. Bon, c'est bon. Viens, accroche-toi. Ça, c'est sûr. Ça va, on monte pas là-haut. Pas tout seul hein. Et tu montes là-haut comme pour aller dans le centre ville vers l'église là-bas en face. Et après il y aura Greg, sur ta droite t'as un croisement, tu ne loupes pas, tout attention. Ok? Et il te guidera après. Il y a une borne à peu près. Santa, Badois. Je vois les personnalités qui reviennent parmi nous pour ne pas manquer l'occasion de récompenser le sprinter australien Robert Owen avec un d'ailleurs l'habitude de franchir quand il est encore assez frais. Putain, plus que 3 jours. Bonne journée aujourd'hui, hein. Non, ça... C'est le jour où j'ai le plus souffert depuis que je fais du vélo. Oui, t'as dit ça déjà. Pendant la course, tu aidais quelqu'un. Pendant l'étape. Peut-être, ouais. Bah, disons que j'étais dans le bon groupe, quoi. J'ai jamais eu de... Ce qu'il y a après, ça se passe là. Ouais, c'est... Ça se passe dans la tête. Hein. C'est physique. Non, dans la tête, ouais. C'est ce qui m'a permis d'y arriver, mais musculairement, après, je peux... Faut se dire, les autres, ils sont comme toi. Ouais. McEwen, même Chubb, hein, tu sais. Il... Ouais, non, mais il y avait un paquet, il y avait Knaven, on était un paquet. Hein. Knaven, il était dans un état. Voilà, c'était musculairement, quoi. Musculairement, j'arrivais plus à suivre le groupetto, quoi. L'avant-dernier col, là, à 8-9%. Tu as fort quoi? Ouais, voilà. Tu étais massé, là, déjà? Non, non, encore. Il est temps que ça se termine un peu. Ouais, Je commence à avoir mal aux mains. Ouais, mon jambe. Et là, c'est les jambes, les autres, c'est les mains. Les bras, ça va, mais alors les poignets... Tu vas pas te plaindre, hein. Non. Allez, à plus. J'ai plus qu'hier. J'en avais un coup dans les carreaux, hier. C'est des sacrées journées ça. Pour un sport de tapiole. Hein. Dans la tête, j'ai pété dans la tête. Là. Ouais, c'est chier. Je reste fidèle à ma place hein, derrière. Ça me vient des joues là, derrière.
J'ai fait le début bien et puis... Après, il me dit, allez, il t'a repris 40 secondes. Après, il t'a repris une minute. Je dis, bon, bah là, j'avais la toxine, et genre, je pouvais rien faire. Ouais. Incroyable. Tu fais quoi comme temps? Je sais pas, après, peut-être une 16-30, un truc comme ça. Impressionnant, toutes les lettres. Je vais essayer de trouver celle qui est écrite par des filles. Ah ben voilà, je regarde le podium à la télé. Ça fait 13 jours que j'ai pas vu le podium à la télé. T'en chies à nettoyer tes chaussures, non? Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça me fait un peu chier, toi. Essaie de battre Lance Armstrong. Et j'ai une carte qui a marqué ça. Ouais, ah ben j'ai essayé. Le père, mais je suis déçu, mais j'ai pas de regret, quoi. Il est plus fort, hein, l'autre. Hein. Il était ouais, devant, il retour, il était devant tous les derniers jours. Il va perdre un regret à 10 secondes. Ouais, voilà. Je vais pas perdre, c'est pas aujourd'hui que j'ai perdu. Bon, là... C'est l'ensemble. Que veux-tu? Maillot bleu blanc rouge, là, sur les champs. Ça va. Que je disais, au moins je sais que celui-là on ne le piquera pas avant le mois de juin l'année prochaine. Quand t'es à rouler, même pas ce que je dis, même pour lui, ça doit être impressionnant. Pour lui, c'est... Champion de France, voilà. Le tour, maillot jaune, 10 jours. Pour lui, c'est le top, et même pour nous, tu sais, quand t'as à défendre, tu roules, t'es devant. T'es content. Devant le peloton. Ça, je préfère faire ça que rouler en chasse-patate, t'as derrière une échappée où t'as personne. T'as misère, t'es en queue de laser là, toute la journée, et puis... Il nous a permis de nous sublimer aussi. Hein. Bah oui, jamais fait ça. Voilà, on s'est sublimé. Voilà. Hein, c'est ça le voilà. Terme que vous me demandez. On a été sublime. Non, on s'est sublimé. On s'est sublimé. Rien à voir avec le fait que t'es sublime. Bon allez, je remets la mienne. Allez la boulangerie. Enculé. Ah mais encore un, au bout de deux bornes avant même que ça attaque. Allez, tous des camés. Alors le mec il se fait chier à venir voir. Il se fait chier à venir voir la course. Il prend sa journée, tout ça pour nous traiter de camé. J'avais envie de lui dire, bah t'as qu'à rester chez toi. C'est fini, ça y est. Ah ouais. Je trouvais moins long que l'an dernier. Moi aussi, c'est... Parce que l'an dernier, on en a tellement parlé. Ouais. Je trouvais ça très long, tous les jours. Ouais. Alors que là, c'est vite passé, ça y est. Non, moi, je vais la lessive. Corvée de lessive, là, ça va être l'horreur. Tu sais, je pense qu'il va pas s'embêter. Il va tout déposer. Hein, et puis, bon, je vais aller voir tous les gens que j'ai pas vus voilà. Pendant un mois. Il va me laisser toutes les valises en plein milieu. Voilà. Hein, et tout par terre. Et puis après, il va aller dire bonjour à tout le monde. Voilà. Même, tu sais, Fred, il apprend déjà le moment où tu te retrouves tout seul à la maison. Tu sais, il me disait, c'est vrai que t'es tellement dans l'effervescence qu'après, quand t'es à la maison, ben, ça te manque, tout ce bruit. Dit... Et puis en plus, tu sais, moi, je vais aller travailler. Ben, vraiment, se retrouver voilà, tout seul. Tous les soirs, tout... enfin, et que le soir, mais après, toute la ouais. Journée. Voilà. Et tout le monde travaille, hein, voilà. On ouvre les amis. Donc, c'est vrai évident. Que même, je trouve un peu, tu sais, pas déprimé, mais un petit peu apathique après. Ils ont plus envie de rien faire. Donc, moi, mon frère, c'était ça l'année dernière, donc j'espère que cette année. Il y a Vautier. Il y en a pas. Allez, l'aracte. Il y en a pas là non plus devant. Il y en a pas. Oh là là, il y en a pas. La 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 la. Si, si, la 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 la. Ils sont. Oh là, il y a là. Ouh, il y a le feu là. Là, il y a Roger. Il n'y a pas Fred. Deux, trois. Oh, je vois plus Fred. Ouh. Martin. Eh bien, je les vois tous sauf lui. C'est dommage qu'il n'ait pas l'oreillette, sinon j'aurais parlé. Vas-y, chérie. Attaque. Attaque. On a des prévisions sur un certain nombre de coureurs intéressants. Bon, après, il faut avoir le budget pour les prendre. Si on trouve ça l'année prochaine, on sera solide. Ça va nous permettre d'embaucher des leaders. Bon, aujourd'hui, nous, on a des gens, on a repris des coureurs qui sont... bon pour la retraite, malheureusement ils sont en limite d'âge donc on n'a plus le choix de... Bah, faut prendre des jeunes mais il faut prendre des gars avec des points pour pouvoir être présents dans les courses. Bien sûr. Et moi, j'adore en or gris, c'est joli, je trouve ça magnifique. Ils nous ont fait pleurer à la mairie. Oh là.
Ah là là, tout le monde pleurait. C'est trop émouvant. C'est Fred qui a mis le... C'est Fred qui a pleuré en premier. Tout le monde me disait, tu pleuras pas, tu pleuras pas. Eh ben tiens, c'est Fred qui a pleuré en premier. Oh, il disait, non mais attends, c'est vrai, réfléchi, il n'y a pas si ça. Ouais, 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 ouais. Soulagé. Pas trop satisfait de mon tour, mais bon, content d'être à Paris. J'ai rien dans le sac. Pas fatigué toi, mais pas de sensation. Tu vois, comme tu peux avoir, je dirais, j'en ai pas. 5 minutes pour ma petite fille. Si, je veux faire encore une saison, mais le tour, non, fini. Je vais faire les courses étapes, genre midi libre, dauphiné. Ouais, t'as un gros moteur qui est pas usé encore, tu peux encore faire une saison. Ouais, je m'inquiète pas, mais faut que je retrouve mes moyens, quoi. Ouais. Ce que j'étais avant, quoi, parce que c'est pas possible. Ouais. Du vélo comme ça, larguer dans l'école avec les gros culs, les sprinters, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Je suis pas allé jouer avec les 15-20 premiers, mais bon, me battre à armes égales, je dirais, me battre normalement, quoi. Ma valeur. Ouais, ton niveau.